Qu'avez-vous pensé des sujets de philosophie de cette année ? Il y avait l'avantage de prendre un peu les candidats à rebrousse-poil, parce qu'ils ont pris un petit confort intellectuel, des habitudes, et là, elles ont été bouleversées. On leur a demandé, par exemple, si la morale pouvait faire une bonne politique. Et à mon avis, ils avaient envie de répondre oui, et je crains fort que la bonne réponse soit plutôt non. Qu'est-ce qui a changé dans le rapport des élèves à la philosophie ? J'ai constaté qu'il y avait eu des mutations d'ordre quasiment biologique. Moi, j'avais l'habitude d'élèves non lisants. Il y a maintenant des élèves non écrivants. Ils ne savent pas prendre de notes ou ils ne veulent pas. Et la philosophie, c'est une épreuve écrite. C'est embarrassant. Néanmoins, et heureusement, il y a toujours d'excellents élèves. Quelle place pour la philosophie avec le nouveau bac ? Moi, je suis très content du nouveau bac tel qu'il se profile, parce que la philosophie reste une discipline obligatoire de tronc commun, avec épreuve écrite à la fin. Et comme les séries disparaissent, ce sera désormais 4 heures de philosophie obligatoire pour toutes, puisque les séries disparaissent, pour le bac général.